J'ai eu les jetons, c'est tout. T'as vu un hérisson sur la route ou quoi? J'ai vu moi. Moi et le môme Marc, décapité par leur engin. Parce que figure-toi que je les connais, ces saloperies-là. Je les ai dégustés en 39. Et je peux même te dire où. Moi aussi, dans les Ardennes. Ton char, tes Ardennes, ton repli sur la Loire, je peux tout te raconter. Mais c'est pas la façon de conduire ton char en 39 que je critique. C'est la façon de conduire ta charrette aujourd'hui. Je te dis que j'ai eu les jetons. Peur. J'ai eu peur, voilà. C'est ça que tu voulais que je dise. T'es content? Oh, je pavoise pas. Oh, mais si. Oh là là, il y a longtemps que t'attendais ça. Tous, d'ailleurs, vous attendiez ça, que je me dégonfle un coup. Depuis 20 ans que je fonce et que je prends du plomb dans la viande. On s'habituait? Allez, vas-y, va. Récite-moi Bébert l'intrépide, je connais pas. Quand on a cravaté Joe les grands pieds, t'as fait un beau rapport, t'as toujours été fort en rédac. Mais tous les deux, on lui doit quelque chose aux grands pieds. Toi de l'avancement et moi 6 mois d'hosto. Mais ce matin, j'étais bon pour la médaille posthume, alors tu m'excuseras si j'ai quitté la piste. Ben dis donc, ça t'a drôlement secoué, ce taux. Moi, jusqu'alors, je t'avais vu te dérober qu'une fois, dans la cour du patronage. Tu te souviens quand le petit rouquin t'a demandé de sortir et que t'es pas sorti? C'est une belle blague, je sautais sa frangine. Ah bah ben, tu vois, t'avais une raison. Alors t'en avais peut-être une autre ce matin. Dis donc, Louis, tu crois pas que tu pousses un peu? Où on va? Ben, je te le demande. Ah ben, si c'est un interrogatoire, qu'est-ce que t'attends pour faire monter des sandwichs et de la bière? À quoi tu penses? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.